les femmes vivent toutes sortes de violences. J'ai été moi-même sur le terrain, j'entendais les cris de détresse, j'entendais les pleurs des personnes qui sont torturées par les groupes armés. Elles veulent la paix, rien que la paix. Les femmes en Centrafrique, dans la majorité, se retrouvent dans une situation de vulnérabilité extrême. Donc c'est elles qui nourrissent les communautés. Il faut plus de femmes en politique. Nous avons mis en place une campagne dénommée la démocratie au féminin. Nous avons mené beaucoup d'activités de sensibilisation pour susciter la participation des femmes aux élections comme électrices et comme candidates. C'est sur la base de cette structure qui brasse les femmes de tous les milieux sociaux réunis ensemble que nous travaillons sur le terrain. Je suis optimiste quant à l'avenir de la République centrafricaine.